Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale. Je suis dans un parc comme vous pouvez le voir et on va parler en fait de mes ventes que j'ai réalisées il y a quelques jours maintenant, parce que quand vous allez voir cette vidéo il y aura un décalage, c'est volontaire. Et on va voir ensemble, enfin vous allez voir, j'ai deux trois petites choses à vous dire. Alors, il y a quelques jours, j'ai fait mes ventes immobilières et j'ai voulu attendre un petit peu avant de faire cette vidéo parce que j'avais besoin de réfléchir à ce que j'allais vous dire. Et surtout, enfin, vous allez voir, j'avais une chose importante à vous dire par rapport à une autre vidéo que j'ai fait il y a plus d'un an maintenant, je crois. Vous regarderez, je ne l'ai pas regardé, je veux quand même vous le dire. Donc, je vais vous mettre un lien maintenant sur la vidéo quelque part et on va en parler rapidement et je vais vous expliquer tout ça parce que si j'avais fait la vidéo le jour même, je pense que je vous aurais pas du tout dit les mêmes choses et c'est mieux que j'ai attendu parce que enfin, vous allez voir, j'ai deux trois petites choses à vous dire. Avant qu'on attaque, toutes les images que vous voyez, c'est les images que j'ai faites en redescendant. J'avais du temps à tuer, donc j'ai fait quelques images aériennes de deux trois coins auxquels, où je suis d'ailleurs jamais allé, où j'avais l'occasion parce que j'avais un peu de route pour aller chez mon notaire. Et donc voilà, histoire d'avoir quelques images sympas à mettre sur cette vidéo, même si aujourd'hui je suis dans un parc qui n'a rien à voir avec la situation de départ. Alors très simplement, si j'avais fait la vidéo dès le départ, je vous aurais essentiellement parlé, je crois, du résultat. Alors que finalement, je vais vous parler donc de la vidéo vers laquelle je vous ai envoyé, la vidéo bilan que j'avais fait il y a plus d'un an. Et je vous demande de noter, enfin de garder en mémoire le fait que cette vidéo a plus d'un an. Et ce qu'il y a de super intéressant, c'est qu'il y a plus d'un an, j'avais fait des projets sur la comète et que ces projets ne sont pas arrivés pour diverses raisons. Mais on a tendance, quand on fait de l'immobilier, à faire des projets comme ça, à se dire ben, je vais faire ci, je vais faire ça, ça va se passer comme ci, ça va se passer comme ça. Et puis à l'arrivée, la réalité, c'est que tout ne se passe rarement comme prévu. Voilà. En tout cas, c'est mon expérience personnelle. Très souvent, la seule chose à laquelle je pense pas, c'est la chose qui arrive. Et tout le reste arrive. C'est un peu ce que je disais dans la vidéo. Et conclusion, ce que je pensais qui allait se réaliser en un trimestre, pour diverses raisons, aura mis plus d'un an. Et ce qu'il y a de plus intéressant encore, c'est que à l'époque, j'avais pris une décision, je voulais céder l'ensemble du patrimoine, et à l'arrivée, on a gardé quelques lots. Et donc, vous voyez, il y a eu une évolution qui s'est faite de par des projets qu'on a eus, de par tout un tas d'éléments qui se sont greffés à la situation et qui l'ont fait évoluer de manière différente. Donc voilà, c'est ça que je veux vous dire dans cette vidéo. Je l'avais dit dans une vidéo que j'ai fait avec Hassan, je vous mettrai aussi un lien là, vers cette vidéo-là. Je ne pense pas que la vie soit une tableur Excel, je pense que c'est très bien de faire des projets, il faut en faire, j'en fais comme tout le monde. Mais il faut les faire avec modération et les doser, parce que trop de projets, trop planifiés, trop précis, ça ne sert à rien. Et en vérité, la vie vient agrémenter tout ça et il se passe des choses. Donc, aujourd'hui, après cette année d'expérience, si j'ai une chose à vous dire par rapport à tout ça, et sûrement la plus importante, c'est celle-là, c'est la suivante. Et donc, soyez prévoyant. Soyez prévoyant des grandes lignes, mais ne cherchez pas à voir les petites lignes. Vous savez, quand on fait signer un contrat, on vous dit toujours lisez les petites lignes. Et bien là, ouais, lisez les titres, et puis les petites lignes, vous les verrez au fur et à mesure, en fait. Un petit peu la surprise du chef. Je sais, c'est pas très drôle ce que je dis, mais pourtant, c'est ce que je pense. Maintenant, la deuxième chose, que si j'avais fait la vidéo le jour même, j'aurais passé des heures à vous en parler, et où je décide de moins vous en parler. Parce que je pense que, pour plusieurs raisons, d'abord, vous n'avez pas vu toute mon évolution, j'ai pas fait une vidéo qui retrace l'ensemble de mon patrimoine, donc bon voilà, on va se cantonner au fait. Le fait est que, lorsqu'on investit dans l'immobilier, il se passe une chose de géniale, c'est que à des points, à des moments, on se retourne et on voit le chemin parcouru. Et je crois que je suis en train de vivre un de ces moments-là où j'ai vu le chemin que j'avais parcouru et je suis très content. Alors très content, il faut savoir se le dire, donc je ne me le dis pas là à moi-même, mais voilà, je suis content du chemin parcouru, il en reste. Mais là, au moment où je fais cette vidéo, ce cap, ce petit cap, parce qu'il y a encore des gros caps à passer en 2017, eh bien ce petit cap est très appréciable et je vous souhaite, et c'est quelque chose que vous allez vivre, si vous faites de l'immobilier, vous allez vivre ça en fait. Vous allez vivre ces moments où il va se passer des choses. Et là, il y aura un moment où vous allez vraiment vous rendre compte
que vous avez fait de l'immobilier et que ça, ça pèse, ça représente quelque chose. Voilà. Autre chose de très important, et pour finir, 2017 va me demander beaucoup de travail en termes d'immobilier. Je me suis lancé ce défi débile d'une vidéo par jour, du lundi au vendredi, même si je ne l'ai pas avoué dans la vidéo fracture, parce que je ne veux pas donner de délai que je ne tiendrai pas. Mais voilà, la vérité, c'est que je vais avoir beaucoup de travail en immobilier, beaucoup plus que sur le web. Donc, je vais faire du mieux que je peux. Je vais pouvoir vous montrer un petit peu des choses, mais je pense que vous l'avez compris, j'ai quand même fait le choix de ne pas trop vous en montrer, parce que ce que je fais, aujourd'hui, il n'y a pas de commune mesure avec d'autres personnes qui le font, donc je n'ai pas de raison particulière de montrer ce que je fais. Donc voilà, c'est mon choix après tout, hein, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne après tout, même si c'est beaucoup la vôtre en fait. Hein, mais bon, voilà, donc à l'arrivée, beaucoup de projets pour 2017, pas beaucoup de temps, donc j'essaierai de faire du mieux que je peux pour tout faire. Mais ce qu'il y a de sûr, si vous devez retenir deux choses de cette vidéo, la première, donc c'est cette histoire de projet. Je vous inviterai à regarder bilan à cette vidéo que je ne poursuivrai plus, mais qui est quand même intéressante à voir, puisque si j'avais fait ce suivi de bilan, on aurait pu voir comment ça a évolué, mais bon, voilà. Et la deuxième chose, c'est comme je vous disais, eh bien, si vous faites de l'immobilier, il y aura des moments où vous allez vous rendre compte que vous en avez fait. Et franchement, ben, je vous le souhaite. Je vous le souhaite vraiment de vivre ces moments-là. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !C'est bizarre d'avoir des choses à faire. Non, tu diras pas ça dans ta vidéo.